J'ai dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Cet aigle, quand il devient âgé, une croûte se forme sur sa face et sur sa tête. Il n'arrive presque plus à manger. Il s'affaiblit. Son bec ne s'ouvre plus correctement. Il devient presque aveugle. Et quand cette croûte s'étend jusqu'à un certain endroit sur sa tête, on raconte qu'il s'élève très haut dans les airs. Puis se pose là quelque part et il frappe le rocher avec sa tête pour faire, si possible, tomber cette croûte. Il roule les yeux et lance un regard en arrière. Il frappe contre la croûte. Oh, il faut qu'elle se détache. Il faut qu'elle se détache. Sinon, il va mourir. Il doit faire tomber cette croûte de sa face et de son bec. Alors, il frappe sa tête d'un côté puis de l'autre. Il frappe jusqu'à ce que cette croûte tombe. Et quand la croûte tombe après l'avoir frappé contre ce rocher, il lance alors un cri et se met à battre des ailes. Il est joyeux parce qu'il sait qu'il va avoir de nouvelles plumes. Il va pouvoir se nourrir de nouveau de vitamines. Il va rajeunir. Alors j'ai pensé, comme cela doit être merveilleux pour l'aigle, c'est bien. Mais je connais un rocher vers lequel l'homme peut venir pour frapper, être frappé. Jusqu'à ce que tous les doutes aient disparu. Jusqu'à ce que les inquiétudes et les soucis du monde aient disparu. Après avoir frappé jusqu'à ce que la croûte du péché se soit détachée de lui et que le sang ait sanctifié son âme. La vie éternelle peut alors venir. C'est sûr, il peut simplement s'asseoir et relâcher la pression. Car la vie éternelle est assurée. Oh, vous les aigles d'aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes des aiglons. Mais si la croûte a commencé à masquer votre vue, les soucis du monde, ou si vous n'arrivez pas à avaler toute la nourriture de Dieu, venons à ces rochers dans une terre altérée. Venons là et frappons sur l'autel jusqu'à ce que la croûte se casse et que nos yeux voient de nouveau clairement Jésus et que les soucis de ce monde aient disparu. Alors la pression s'en ira. Il est un rocher dans une terre altérée, un abri à l'heure de la tempête, un refuge, un havre de repos pour ceux qui s'enlacent. Venons à cet endroit. Inclinons la tête un instant. Désolé de vous avoir retenu si longtemps. Il reste encore environ 6 feuilles de notes ici, de petites pensées et passages de l'écriture que j'allais utiliser. Mais c'est l'heure. Oh, petit aiglon. Une jeune fille, peut-être un jeune garçon, ou peut-être une personne âgée ou d'âge moyen. Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Parce qu'en fait, vous êtes vraiment un aigle. Mais il se peut que les soucis de la vie vous aient passablement malmené. Vous avez perdu la vue. Vous n'êtes plus très sûr de l'endroit où vous posez le pied. Venons nous appuyer maintenant contre ces rochers. Oh, conduis-moi vers ces rochers qui est plus élevé que moi. Laisse-moi m'allonger sur ces rochers. Il est un abri à l'heure de la tempête. Commencez à frapper à la porte maintenant. Frappez à la porte de ce rocher. Il ouvrira. La croûte s'envolera. Alors la pression vous quittera. Et vous pourrez de nouveau être dans le repos. La pression entière partie. Vous pouvez venir à l'église, peu importe ce que le pasteur prêche. Tant qu'il reste dans cette parole de Dieu, cela ne vous condamnera jamais. Vous êtes déjà ancré là-dedans. Tout va bien pour vous alors. Priez. Seigneur Jésus, je voudrais encore dire en signe de reconnaissance, Seigneur, qu'il existe un petit endroit ici à Phoenix et ailleurs à divers endroits. Ici, c'est l'un d'entre eux où je peux venir et sentir que je suis dans le repos. Il n'y a rien qui me lie. Je dis tout simplement ces paroles. Quel endroit libre. Toute pression partie. Je suis si reconnaissant pour cela, Seigneur. Oh Seigneur, puisse ce grand rocher être toujours là à l'autel où les petits aiglons égarés un peu partout dans la ville peuvent venir
et être introduits à un endroit où ils pourront se débarrasser de la croûte du monde et jouir de cette communion fraternelle en relâchant la pression. En ces jours de l'ère atomique, où le monde est terrifié, chaque nation est ébranlée, les cieux tremblent, toute la nature pousse des cris, le monde tremble parce qu'il pourrait voler en éclats. Mais nous avons un royaume inébranlable. Nous avons une ville de refuge. Nous avons un Goshen où le soleil ne se couchera jamais. Accorde le Seigneur. Nous venons maintenant à ces rochers. Comme ce petit lapin, on raconte qu'une meute de chiens le poursuivait. Il pouvait sentir leur souffle chaud sur ses pattes. Plus qu'un instant, au bout d'eux, et les chiens allaient attraper le petit animal. Il serait dévoré en un instant. Mais peu de temps après, il vit un trou dans un rocher. Il s'est dit, si seulement je peux atteindre ce rocher, alors je serai en sécurité. Juste au moment où le chien faisait son dernier bond sur lui, il a senti son souffle chaud sur ses pattes, mais il a couru sous ces rochers. Il a pu alors s'asseoir et relâcher la pression. Ce chien ne pouvait pas donner de coups de griffe à travers ce rocher. Seigneur Jésus, je te prie ce matin, Seigneur, que si quelques-unes de tes petites créatures qui ont erré loin de cette zone de sécurité qui peuvent sentir le souffle des chiens de meute de l'enfer galopant juste derrière eux, que ces jeunes femmes, que ces jeunes hommes voient leur vie en train de basculer de l'autre côté, puissent-ils courir ce matin vers ce creux dans le rocher? Il y en a un, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Accorde le Père par Jésus ton Fils. Pendant que nous avons la tête inclinée et les cœurs inclinés aussi, voudriez-vous, si vous n'êtes pas dans ce rocher ce matin, voudriez-vous lever la main vers Dieu et dire, « Oh Dieu, laisse-moi entrer maintenant dans cette zone de sécurité. » Où je peux relâcher la pression. Je suis un peu las. Je vois que je commence à dériver. Je sens que je m'éloigne. Je n'ai plus l'expérience que j'avais autrefois. Ramène-moi très vite au rocher, Seigneur. Voudrez-vous simplement lever la main et dire, priez pour moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse. C'est bien tout autour, partout. Ah, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Ramène-moi au rocher, Seigneur. Ramène-moi. Je suis en train de dériver. Oh, ne me laisse pas dériver loin de cela. Laisse-moi. Si je dois manger, que je le fasse près de ce creux, que je reste près de l'endroit où la manne tombe. Je n'ai pas erré ça et là. La manne est déposée juste à la porte. Père Céleste, tu as vu l'ensemble de ses mains. Je te prie de leur donner ce qu'ils désirent. Que toute la croûte qui s'est mise à leur aveugle maintenant, Seigneur, alors que leur cœur bat et que leur cœur spirituel bat, se détache, enlève tout doute, toute incrédulité, toute confusion, toute nervosité et tout ce questionnement à propos de ceci et de cela, toutes les inquiétudes. Qu'à ce moment même, ils découvrent tout en douceur que la croûte est en train d'être brisée alors qu'ils martèlent le rocher de leur prière. Que Christ les transporte maintenant tout là-haut et les dépose sur une cime. Ils peuvent alors battre leurs petites ailes spirituelles en disant, « Je suis libre, je suis libre. » Accorde le Père au nom de Jésus. Et maintenant, y en a-t-il ce matin qui sont dans ce refuge et qui sont malades? Et qui n'en connaissent pas l'issue, mais vous voulez être ancré dans quelque chose qui vous donnera la sécurité, qui guérira votre corps, et qui désire qu'on se souvienne de vous dans la prière, rappelez-vous juste un mot de prière, c'est tout. Il s'agit de planter un petit poteau là où vous êtes assis, et de dire, ces jours-ci, la prière de la foi était faite pour moi. Et chaque fois que j'entrerai dans cette église, je me souviendrai de l'endroit où j'étais assis ce matin. C'est là que la prière de la foi a été faite pour moi par toute l'assemblée. Je vais être en bonne santé maintenant. C'est ça. Je règle cela. Maintenant, levez la main et dites, je plante mon poteau à l'instant. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, rappelez-vous par la foi, vous plantez ces poteaux à l'instant, là où vous êtes assis. Aujourd'hui, dimanche, le 10,
Je pense que c'est ça, ou le 13, en ce 13 janvier, dans cette petite église de Dieu, à cette place précise, je fais la prière de la foi avec le ministre, avec l'évangéliste et avec l'assemblée, l'un priant pour l'autre. C'est le jour de ma guérison ici même. Je règle cela ici même, Seigneur. Je suis ton aigle. Je suis dans la zone de refuge. J'ai droit à toute bénédiction rédemptrice qu'il a acquise pour moi. Mais voici ici même en ce moment. Père céleste, je te les apporte. Je joins ma prière aux leurs. Et maintenant, par la foi, nous nous élevons au-dessus de cette église, au-delà des sphères, des atmosphères, et des sphères, et des sphères, plus loin que les étoiles, que la lune, que la blanche voie lactée, jusqu'au trône de Dieu notre Père, avec le grand arc-en-ciel qui traverse ce magnifique autel d'ivoire. Sur cet autel se trouve un sacrifice sanglant. Alors nous regardons son dos comme le prophète nous a invités à le faire. Et il a dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Père, je t'amène chacun d'eux. Et lui-même a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, Dieu notre Père, je prie pour ces gens qui sont malades. Ils ont planté un poteau ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Voici l'heure pour la prière de la foi. Et je crois alors que je te demande de guérir chacun d'eux. Ils acceptent cela et nous plantons ici ce poteau en commémoration de notre présence devant le trône de Dieu ce matin. C'est réglé. Dieu a fait la promesse. Maintenant, Seigneur, il est écrit dans Marc, chapitre 11, les versets 22-23. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit va arriver, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, cela a été dit, alors qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je l'accepte pour chacun et pour ta gloire. Maintenant, croyez de tout votre cœur et avec la tête inclinée, chantant ce vieux cantique de l'Église, je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le calvaire. Acceptez-vous votre guérison, votre salut, votre esprit renouvelé en venant à la maison de refuge? Acceptez-vous cela? Levez la main, dites, je l'accepte, je le crois. Maintenant même, très bien. Tous ensemble maintenant. Je l'aime. Merci Seigneur d'avoir fait tomber les écailles de mes yeux. Parce qu'il m'a aimé le premier, toute ma froideur s'en est allée maintenant. Ma maladie est partie. A acquis mon salut. Sur le calvaire, maintenant pendant que nous chantons cela de nouveau, je voudrais que vous preniez la main de quelqu'un qui est devant vous, derrière vous, à côté de vous. Dites que Dieu vous bénisse, pèlerin, frère, sœur. Bien content de pouvoir communier avec vous. Continuez à prier pour moi tout en faisant cela maintenant alors que nous chantons encore une fois maintenant. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut? Avant de remettre le service au pasteur, levons les mains maintenant et de tout notre cœur, chantons-le jusqu'au fond de notre âme. L'aimez-vous? Dites Amen. Disons-le encore Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi, je l'aime. Tous ensemble maintenant, chantons-le à pleine voix. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Cependant, je regrette de vous avoir gardé si longtemps. Merci.